Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. C'est très important pour que notre chaîne YouTube puisse prendre de la hauteur. La Russie se dit prête à retourner dans l'accord céréalier de la mer Noire dès que l'Occident respectera ses obligations eu égard aux exportations par la Russie de ses propres céréales. C'est ce que le président russe Vladimir Poutine a déclaré au cours d'un entretien téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Moscou affirme que l'Occident n'a rien fait pour faciliter l'exportation de céréales et d'engrais russes. L'Occident a répondu que ces exportations étaient déjà exemptes de sanctions et que Moscou menaçait l'approvisionnement mondial en nourriture. Alors que l'Ukraine tente d'exporter ses céréales par des voies alternatives, comme le port roumain de Constanta, Ankara insiste pour relancer l'accord céréalier en mer Noire. Lors d'une récente conversation téléphonique, le président turc a exhorté son homologue russe à renouveler l'initiative, mais le Kremlin pose des conditions. Russie est готова незамедлительно вернуться к самой сделке, не только переговорам, но и самой сделке. Незамедлительно готова сделать. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается Российской Федерации. До сих пор этого сделано не было, как вы знаете. Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue aux Nations Unies, l'ambassadeur américain commente. We have seen indications that they might be interested in returning to discussions. So we will wait to see whether that actually happens. Au même moment, la Russie continue de bombarder les infrastructures portuaires ukrainiennes, essentielles pour les exportations de céréales. Ce mercredi au petit matin, des frappes russes ont ciblé le port d'Izmaïl sur le Danube, proche de la frontière roumaine, et détruit plusieurs dizaines de milliers de tonnes de produits agricoles. Deux villes d'Ukraine ont été touchées dans la nuit. La capitale Kiev et un port sur le Danube à seulement 3 km de la Roumanie. La cible ici était des stocks de céréales. Ils ont été endommagés par une frappe de drone. Izmaïl est un port clé du delta du Danube, d'où une partie du grain ukrainien est acheminée par barge vers le port roumain de la mer Noire de Constanta pour être expédié vers d'autres destinations. Cela a été filmé par un pêcheur roumain. Depuis l'effondrement de l'accord sur les céréales de la mer Noire à la mi-juillet, la connexion avec le Danube est une bouée de sauvetage pour les exportateurs de céréales ukrainiens. Il y a des discussions diplomatiques aux Nations Unies pour tenter de relancer l'accord. What we have been told is that they are prepared to return to discussions. On nous a dit qu'ils étaient prêts à reprendre les discussions et nous n'en avons pas encore vu la preuve. Mais je soupçonne qu'ils savent que s'ils veulent mettre leurs engrais sur le marché, ils veulent que les efforts se poursuivent afin de trouver un moyen d'effectuer les paiements dont ils ont besoin, qu'ils devront revenir à cet accord. Payments that they require, that they're going to have to return to this deal. En public, du moins, rien n'indique que la Russie se réchauffe à cette idée. Le président Poutine a invité les pays africains à une réunion fin juillet, dont beaucoup sont directement touchés par l'augmentation des prix des céréales en raison du conflit en Ukraine. Selon le président Poutine, il ne ressent aucune pression financière pour relancer l'accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes après le retrait de la Russie. Il s'est adressé aux journalistes lors du sommet Russie-Afrique. Les prix sur les marchés mondiaux ont un peu augmenté, ce qui signifie que nos entreprises gagneront plus, ce qui signifie que nous aurons plus d'impôts, et si nous obtenons plus d'impôts, nous partagerons les bénéfices avec les pays les plus pauvres et fournirons un certain volume d'approvisionnement alimentaire gratuitement. À l'issue du sommet russo-africain dans sa ville natale de Saint-Pétersbourg, 17 chefs d'État africains ont été invités à assister à une démonstration de la puissance navale russe. Ce défilé naval de la journée de la marine leur rappelle, ainsi qu'aux membres voisins de l'OTAN, que la Russie possède des armes plus grosses et plus dangereuses que les drones Shahed qu'elle achète à l'Iran et qu'elle utilise pour attaquer les installations céréalières et portuaires du sud de l'Ukraine et du delta du Danube. Ils ont encore endommagé des entrepôts céréaliers ukrainiens ainsi que la ville portuaire d'Izmaïl située sur le Danube où plusieurs tonnes de céréales ont été perdues suite à ces frappes. Des bâtiments ont également été endommagés et les conséquences ne sont pas seulement ressenties ici en Ukraine, ici pour les agriculteurs ukrainiens et pour
pour l'économie ukrainienne. Ces conséquences, elles se font ressentir à l'échelle globale, puisque suite à ces frappes sur Ismaïl, eh bien, le prix des céréales a augmenté de plus de 6%. Alors, ces frappes, ce ne sont pas les seules. Hein. Depuis que la Russie a quitté l'accord sur les céréales, il y a quelques semaines, eh bien, ces frappes se sont multipliées sur le sud du pays, sur les structures d'agriculture, sur les entrepôts de céréales, sur les espaces portuaires, comme à Ismaïl mercredi, mais également sur la ville d'Odessa. Du côté de Kiev, on a réagi en demandant plus de soutien du côté occidental afin de contrer ces attaques russes qui continuent tous les jours ici en Ukraine. 1749 civils, dont 499 enfants, ont été tués en Ukraine depuis l'invasion russe en février 2022. 15 599 civils ont été blessés, dont 1900 enfants. Le bureau du procureur général ukrainien ajoute que 98 000 crimes de guerre ont été commis par les forces russes depuis le début de la guerre. Ces annonces interviennent alors que les frappes de drones se poursuivent de part et d'autre. 820e alerte aérienne à Kiev depuis le début de la guerre. La défense aérienne ukrainienne a abattu une quinzaine de drones qui se dirigeaient vers la capitale dans la nuit de mercredi à jeudi. Moscou fait régulièrement pleuvoir sur l'Ukraine des drones explosifs de type Shahed de fabrication iranienne. De son côté, la Russie a affirmé ce jeudi avoir abattu 7 drones ukrainiens dans la région de Kaloum, à moins de 200 km de Moscou, et ce, alors que la contre-offensive de Kiev continue. L'axe principal de la contre-offensive ukrainienne, qui dure depuis près de 2 mois, est maintenant en cours dans le sud-est du pays. Il s'appuie sur des milliers de renforts affluents dans la bataille acharnée, dont beaucoup ont été entraînés et équipés par l'Occident, et jusqu'à présent tenus en réserve. A contrario, le ministre russe de la Défense a assuré que la contre-offensive ukrainienne était infructueuse et que les armes occidentales fournies ne menaient pas au succès, mais ne faisaient que prolonger le conflit. Confrontés à des lignes de défense russes solides, tranchées, pièges anti-chars, champs de mines, les forces ukrainiennes avancent lentement. Pas de quoi décourager la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ghana Maliar, qui revendique des succès de son camp, en particulier dans le sud. Et le ministère de la Défense russe a annoncé avoir abattu 6 drones ukrainiens qui tentaient d'attaquer la région de Galouka, à l'ouest de la Russie, dans la nuit de mercredi à jeudi. De son côté, l'état-major ukrainien a déclaré avoir abattu 23 drones russes durant les dernières 24 heures. Pour arriver au village, il faut faire plusieurs kilomètres de piste. Durant le trajet, interdiction de s'arrêter dans des zones non sécurisées. Les abords de la route sont minés. Ces soldats ont libéré Novodarivka, située dans la région de Zaporizhia, au tout début de l'offensive, le 4 juin dernier. Quand notre offensive a commencé, il y avait 3 chars ici. Lui, c'était le premier char à être détruit. Il a été par nos soldats. Et c'était le tout premier char russe détruit lors de notre contre-offensive. À l'intérieur, il y a encore les restes de l'équipage. Ici, avant l'invasion russe, 5 habitants occupaient ces 3 maisons, aujourd'hui réduites à l'état de ruine. Durant plus d'un an, elles ont servi d'abri aux soldats russes. En partant, ils ont laissé leurs équipements, mais aussi des mines, qu'il faut maintenant trouver et désamorcer. Les démineurs enlèvent autant de mines que possible pour que personne ne marche dessus. Mais ça se fait petit à petit, pas tout d'un coup. Mais comparé à avant, c'est déjà un peu plus sûr. Sur le terrain, les forces ukrainiennes avancent lentement, ralenties par les lignes de défense russes. Au total, Luna 25, la première station lunaire russe depuis près de 50 ans, s'envolera vers la Lune le matin du 11 août prochain. Selon l'agence russe RIA Novosti, la date de lancement est fixée au 11 août lorsque la fusée Soyouz 2.1B avec l'état supérieur frégate et la station automatique décollera du cosmodrome de Vostochny situé dans l'oblast de l'Amour. Rappelons que la précédente station russe Luna 24 avait été lancée en 1976. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. J'étais à l'hôtel Roosevelt ce week-end. La file d'attente faisait tout le tour du pâté de maison. Voici les abords de cet hôtel Roosevelt, en plein cœur de Manhattan.
L'établissement qui sert de centre de séjour de fortune a atteint sa capacité maximale. C'est donc ici que des centaines de migrants attendent pendant des heures et même des jours un hébergement. C'est pour cela qu'on est arrivé. On est passé beaucoup de pays pour arriver là et on a souffert. Si on est venu ici, parce qu'on a confiance à ce pays-là, parce qu'on a confiance aux États-Unis. La ville a été frappée de plein fouet par l'afflux de migrants en provenance de la frontière sud des États-Unis. Plus de 90 000 candidats à l'exil en provenance d'Amérique latine et d'Afrique de l'Ouest ont convergé ici en un an. Plus de 2 500 migrants arrivent chaque semaine dans les rues de New York. La mairie a passé des contrats avec une centaine d'hôtels, plus de 10 000 chambres au total, mais c'est loin, très loin de suffire. Nous devons concrètement arrêter de doubler et de tripler les systèmes dépassés, comme nos abris d'urgence, et investir réellement pour faire sortir les gens de ces abris et les installer dans des logements permanents. Du côté de la mairie, on répond que les budgets municipaux ne peuvent plus suivre. On propose même de dédommager des familles new-yorkaises qui se porteraient volontaires pour accueillir des migrants. Et on lance un appel à Washington. Je pense que le gouvernement fédéral devrait être à l'avant-garde de cette crise. Qu'une ville seule supporte le poids de tout, cela ne me semble pas juste. En attendant l'éventuelle aide fédérale, les trottoirs autour de l'hôtel Roosevelt ne désemplissent pas. Un panneau devant l'entrée souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. Quelques numéros d'urgence et ce message. Nous sommes actuellement en pleine capacité. Vos tickets enregistrent votre place dans la file d'attente. Une file d'attente qui est appelée à grossir encore. Party 2024 presidential candidate Cornel West weighed in on this week's high-stakes NATO summit meeting, where he called for an end to the alliance. In a press release issued Wednesday, West argued a path for peace is needed, not one for a NATO membership, further writing, quote, instead of seeking a negotiated solution to Russia's criminal invasion provoked by NATO expansion and nuclear-capable missiles, NATO's been shunning peace talks and threatening Russia, violating its 1990 pledge not to move one inch to the east. He further added a bigger focus should be addressing global poverty rather than... Recently, he tweeted something, and there's a gentleman by the name of Keith Olbermann who decided to come at Cornel West, and we're going to get into that in just a second. So Dr. West tweeted, "Let us not be deceived. NATO is an expanding instrument of the U.S. global power that provoked Russia into a criminal invasion and occupation of Ukraine." Donald Trump est convoqué ce jeudi devant un tribunal fédéral de Washington où il sera formellement accusé d'avoir illégalement manœuvré pour tenter d'inverser l'élection de 2020. Le tribunal se trouve à proximité du Capitole que les partisans de Donald Trump avaient pris d'assaut le 6 janvier 2021. L'acte d'accusation de 45 pages décrit un projet criminel et reproche à l'ancien président d'avoir sapé les fondements de la démocratie américaine. L'inculpation est sans précédent et d'autant plus grave que Donald Trump était alors président en exercice. Les deux autres affaires engagées au pénal contre lui portent sur des périodes avant et après son mandat. Dans l'une, Donald Trump est accusé de fraude comptable liée à l'achat du silence d'une actrice de film X avant son élection. Dans l'autre affaire, la justice lui reproche d'avoir compromis la sécurité nationale en conservant des documents classifiés. Donald Trump fait actuellement campagne pour revenir à la Maison-Blanche et il est le grand favori du Parti républicain. Les sondages le placent à égalité avec l'actuel président Joe Biden. On commence à en avoir l'habitude. Donald Trump est convoqué ce soir devant un tribunal fédéral de Washington. Pour la troisième fois, l'ancien président américain est rattrapé par la justice vers 22h, heure française. Il sera officiellement inculpé, cette fois-ci, pour avoir comploté contre l'État américain en essayant de faire inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020, dont il était sorti perdant. Donald Trump, qui estime n'avoir jamais reçu autant de soutien, a choisi de se rendre sur place en personne. Ses avocats essayent déjà de délocaliser le procès à venir à Viva Frida.
Oui, l'argument des avocats de Donald Trump, c'est que l'ancien président n'aura pas de procès équitable dans une ville comme Washington, qui a voté Biden à plus de 90%. Il souhaiterait donc que le procès se déroule en Virginie occidentale voisine, qui, elle, a voté majoritairement pour Donald Trump. Pourtant, lors de la sélection du jury, défense et accusation ont le droit de rejeter des jurés qu'elles jugeraient inadéquats, s'assurant ainsi la plus grande neutralité possible. C'est évidemment une manœuvre politique, la défense de l'ancien président entend ainsi jeter le doute sur l'ensemble du processus. La juge est-elle aussi dans le collimateur ? Tania Chutkan est une magistrate expérimentée nommée par Barack Obama. Elle a déjà présidé au procès de plusieurs assaillants du Capitole. Les sentences qu'elle a prononcées ont été très sévères. Elle a aussi rejeté une demande de Donald Trump qui ne voulait pas transmettre des dossiers à la Chambre des représentants. L'ancien président invoquait le droit au secret de l'exécutif. Réponse de la juge Chutkan, les présidents ne sont pas des rois et le plaignant n'est pas président. C'est à elle désormais de fixer un calendrier pour ce qui promet d'être l'un des procès les plus importants de l'histoire des États-Unis. Oh, ne vivons-nous pas un étrange mois d'août ? Oui, je ne vous parle pas des bizarreries de la météo, avec cette canicule grelottante, cette sécheresse inondante. Non, je vous parle d'un mois d'août étrange, où les choses importantes se remettent à avoir de l'importance. Comme par exemple, le niveau d'endettement des États-Unis, avec ce nouveau score historique, 32 700 milliards de dettes. Pour les consommateurs, 1000 milliards d'encours sur les cartes de crédit, avec un taux moyen de 20,7. C'est, paraît-il, sans précédent depuis les années 1990. Le taux hypothécaire est repassé au-dessus des 7. Autrement dit, on était certain au lendemain de la dernière réunion de la Fed, le 25 juillet dernier, qu'il n'y aurait plus de hausse de taux. Et voilà que maintenant, on en price une pour le 16 septembre prochain. Une hausse de taux supplémentaire, pas de baisse de taux avant le premier trimestre 2024, voire peut-être même pas avant le second semestre 2024. Un encours de la dette américaine donc au sommet et un service de la dette qui va donc dépasser les 1000 milliards de dollars dès cette année. Panique au Capitole. Le branle-bas a débuté ce mercredi en fin d'après-midi lorsque la police locale a reçu un appel faisant état d'un homme hispanique, costaud, portant une armure corporelle. À l'intérieur de l'immeuble Hart, l'un des trois immeubles près du Capitole réservés aux sénateurs et à leur personnel. Les agents de sécurité ont donc fait évacuer les couloirs et ont demandé aux occupants de sortir de l'immeuble. À l'extérieur, les touristes observaient la scène alors que des dizaines de patrouilles de police bouclaient le secteur. Nous pouvions entendre des coups et des cris, nous pouvions entendre des cris dans les couloirs, ce qui était très troublant. Les filles pleuraient, le personnel pleurait. C'est une chose effrayante, mais ils ont géré la situation de manière incroyable. They handled it beautifully. Quelques minutes de stress plus tard, la police a annoncé que le rapport s'est avéré être faux et qu'il n'y avait aucun tir, donc pas de blessés, dans un incident qui n'en était pas un. Cette péripétie survient au milieu des préoccupations de sécurité accrues suite à l'acte d'inculpation de Donald Trump pour ses tentatives d'annuler les résultats de l'élection présidentielle de 2020. L'ancien président doit comparaître ce jeudi devant un tribunal fédéral situé à quelques pâtés de maison du Capitole. Les forces de sécurité de Washington, qui prévoyaient depuis quelques semaines une éventuelle inculpation, ont déjà mis en place un plan de sécurité au cas où les partisans de Donald Trump tenteraient de perturber la procédure judiciaire. La Chine, liée à la propagation du fentanyl selon les États-Unis. Pour les États-Unis, la Chine est le principal responsable de l'arrivée de cette drogue sur le continent américain. Aidés par le Mexique, l'Équateur et la Colombie, les États-Unis veulent briser la chaîne d'approvisionnement du fentanyl. Cet opioïde aux propriétés antidouleurs a été responsable de la mort de 110 000 personnes entre 2014 et 2022 aux États-Unis. La consommation est moins préoccupante en Amérique du Sud, mais la situation est en train d'évoluer. Le fentanyl est une drogue synthétique fabriquée à faible coût et par conséquent sa production est massive.
Deux cartels mexicains ont le monopole du commerce américano-mexicain. Il s'agit de Sinaloa et Jalisco New Generation. Des entreprises chinoises seraient probablement liées à ces cartels et leur fourniraient les précurseurs utiles pour la production du fentanyl. Certaines d'entre elles offrent aussi des informations sur l'optimisation de la fabrication du fentanyl, comme des ingrédients ou des descriptions sur les mélanges. En juin, les États-Unis ont sanctionné 7 entreprises accusées d'exporter du matériel lié à la production de cette drogue. La croissance rapide de la Chine lui a permis de développer son influence économique en Amérique latine, ce qui explique la présence chinoise jusque dans les cartels. Washington considérait la présence de Pékin comme des activités de diversification économique sans envisager de contre-stratégie. Aujourd'hui, la position américaine est en train d'évoluer. La Chine est officiellement perçue comme une menace potentielle sur le continent américain. Les États-Unis mènent une approche anti-chinoise. Reste à savoir si le Mexique, la Colombie uniront leurs efforts en ce sens. Chen Chun, le chef-lieu de la province du Jilin dans le nord-est de la Chine, a émis une alerte rouge aux pluies torrentielles, soit le plus haut niveau d'alerte. Ceci après les précipitations qui sont tombées sur la province depuis mardi, avec des précipitations horaires maximales enregistrées à 108,8 mm mercredi. Les autorités ont activé les mécanismes de gestion d'urgence et des milliers de personnes sont occupées à patrouiller les zones susceptibles d'être inondées. Ce cycle de précipitations devrait se poursuivre jusqu'à samedi. La province voisine du Heilongjiang a également émis une alerte rouge. Mercredi, plus de 120 mm de pluie sont tombés dans sa capitale provinciale, Harbin. Les autorités s'affairent à nettoyer les routes inondées et s'efforcent de minimiser les impacts. Tempête violente et chaleur étouffante, l'Asie enregistre un été aux conditions météorologiques extrêmes. Taïwan se prépare à l'arrivée du typhon Kanun qui devrait apporter de fortes précipitations et des vents à plus de 160 km/h. Le typhon a déjà frappé les îles méridionales du Japon et fait au moins un mort à Okinawa où 200 000 foyers ont été privés d'électricité. À Pékin, les précipitations de ces derniers jours sont les plus fortes jamais vues depuis le début des relevés. En 40 heures, l'équivalent d'un mois de pluie est tombé sur la ville. A l'inverse, en Corée du Sud, la menace vient de la brusque montée des températures. Dans l'est du pays, les services de secours ont pris en charge plus d'une centaine de personnes après des malaises causés par de fortes chaleurs. Partout dans le monde, des records climatiques sont battus. Les spécialistes du climat estiment qu'ils sont la conséquence du réchauffement climatique combiné au phénomène El Niño. Le problème est double. Alors, il est d'abord technique. Avoir des réacteurs, c'est une chose pour des programmes nucléaires civils, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que les Saoudiens demandent aussi la possibilité d'enrichir de l'uranium et du plutonium eux-mêmes. L'uranium qu'ils ont d'ailleurs, qui est une ressource saoudienne. Exactement, mais qu'ils veulent enrichir eux-mêmes, ce qui évidemment leur donnerait le même avantage qu'ont les Iraniens, c'est-à-dire la possibilité d'enrichir l'uranium autant qu'ils le veulent. Et on a vu à quel point les Iraniens ne se sont pas gênés pour le faire. Et donc la solution là serait peut-être d'accepter un enrichissement de l'uranium saoudien sur le sol saoudien, mais par une compagnie américaine gérée par les Américains. C'est eux qui auraient le contrôle, si vous voulez. La seconde chose, c'est qu'on peut développer un programme nucléaire pacifique. Le tout est de savoir, est-ce que le gouvernement en place de M. MBS va rester ou pas? S'il y a jamais un chamboulement en Arabie Saoudite et un régime d'ayatollah, par exemple, ou d'imam qui prendrait le pouvoir, ou tout autre bouleversement politique, il n'y a plus de contrôle sur le nucléaire. La même chose s'il y a un conflit entre l'Iran et les Saoudiens, par exemple, c'est un scénario catastrophe, mais imaginons que les Iraniens envahissent l'Arabie Saoudite, ils ont encore plus de nucléaire. Donc il y a l'instabilité de la région en contrepartie. Je pense que les Américains sont aussi intéressés, peut-être même plus que les Israéliens, à normaliser toute cette histoire avec l'Arabie Saoudite, parce qu'ils voudraient avoir un Proche-Orient stable, avoir plus d'alliés, pas seulement compter que sur Israël ou l'Égypte, mais aussi sur les Saoudiens et d'autres pays, des alliés dans la région. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin, eux, de s'occuper de l'Asie, de la Chine, qui est leur obsession en ce moment. Et donc ça les dégagerait un petit peu de ce fardeau du Proche-Orient qui est toujours trop compliqué, intriqué, où les Américains s'empêtrent souvent d'ailleurs. Merci Raphaël. Ils étaient une centaine, accueillis par le ministre italien des Affaires étrangères sur le tarmac de l'aéroport de Ciampino à Rome. Des ressortissants nigériens, italiens et américains évacués à la hâte de Niamey
menacé par les tensions grandissantes au Niger après le putsch de la semaine dernière. Plus de 1200 Français se trouveraient également sur le territoire nigérien. Paris a affrété plusieurs avions pour les rapatrier. L'évacuation ne concerne cependant pas les 1500 militaires français présents sur place qui continuent leur lutte contre le djihadisme au Sahel. Les tensions grandissent également entre les pays voisins du Niger. Réunis à Abuja jusqu'à vendredi, les membres de la CEDEAO ont déjà mis en place des sanctions contre les putschistes. Ils n'excluent pas leur recours à la force si les pleins pouvoirs ne sont pas restitués au président Mohamed Bazoum d'ici la fin de la semaine. Une délégation de la CEDEAO est arrivée à Niamey ce mercredi pour négocier avec la junte. Pendant ce temps, les putschistes ont le soutien du Mali et du Burkina Faso, dont les gouvernements ont également été renversés par les militaires. Les deux pays ont déclaré que toute intervention armée au Niger serait considérée comme une déclaration de guerre. Vive le Niger ! Au 8e jour après le coup d'État au Niger, le pays se retrouvait dans le noir mercredi soir, après que le Nigeria, pays voisin du Sud, a interrompu l'approvisionnement en électricité en guise de première sanction contre le Niger. Une décision conforme aux sanctions décidées par les voisins ouest-africains selon les médias locaux. Le Niger, pour rappel, tire près de 70% de son énergie électrique du Nigeria, entre autres. Réuni actuellement à la capitale Abuja, les membres de la CEDEAO, dont le Niger est membre, a décidé d'imposer des sanctions au Niger à la suite du coup d'État. L'image est un message adressé aux auteurs du coup d'État au Niger. Une réunion des chefs d'état-major des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À l'ordre du jour, rien de moins que l'étude d'une intervention armée sur Niamey. L'instabilité politique au Niger est une source grave de préoccupation pour nous tous. Elle menace notre vision commune d'une Afrique de l'Ouest pacifique, sûre et prospère. Si nous ne nous opposons pas à ce genre de situation en Afrique de l'Ouest, nous serons la risée de l'Afrique et du monde. Niamey cible de nombreuses sanctions économiques et énergétiques en provenance des Européens, de la Banque mondiale et du voisin nigérian. Est visé par un ultimatum. Les putschistes ont jusqu'à dimanche pour rendre le pouvoir au président nigérien sous peine d'un recours à la force. La réponse des intéressés n'a pas tardé. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie rejette en bloc ces sanctions et refuse de céder à toute menace et d'où qu'elles viennent. Nous refusons toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger et rejetons la prétention chez les uns et les autres de punir pour l'exemple le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le peuple nigérien. Les militaires au pouvoir au Niger affirment par ailleurs qu'il n'y a aucune raison objective pour que les ressortissants étrangers quittent Niamey, la capitale qui sera dans les heures à venir le théâtre d'une nouvelle médiation menée cette fois par cet homme, Abdoul Salami Aboubakar. L'artisan de la transition démocratique au Nigeria s'est empressé de signaler que cette démarche de la CEDEAO n'était pas encore celle de la dernière chance. Les yeux de l'ensemble des instances continentales et internationales sont rivés vers le Niger, et pour cause, depuis le 28 juillet dernier, la tension autour du pays ne cesse de monter. Les observateurs craignent d'ailleurs une guerre interafricaine, et ce en raison de l'ultimatum fixé par la communauté de l'Afrique de l'Ouest, qui n'exclut pas un recours à la force si le président déchu Mohamed Bazoum ne revient pas au pouvoir, une proposition fortement saluée par la France d'ailleurs. Cela dit, ces menaces d'intervention militaire étrangère sont prises au sérieux par les pays voisins du Niger, d'un côté le Mali et le Burkina Faso, qui assimilent ces menaces à une déclaration de guerre à leur encontre, et de l'autre, Alger, reste fidèle à ses principes de non-ingérence étrangère, prévient quant aux conséquences désastreuses que pourrait avoir une telle action sur le pays, mais aussi sur l'ensemble de la région. Une opposition qui trouve écho notamment auprès de la Russie, mais aussi de l'Italie. Les deux puissances affirment respectivement qu'une action militaire étrangère ne ferait qu'aggraver une situation déjà extrêmement tendue. De son côté, l'ONU, qui au préalable a cautionné les sanctions de la CEDEAO, allant jusqu'à suspendre son aide humanitaire au pays, se dit inquiète contre une propagation du terrorisme dans la région.
Pour le moment, la situation reste très tendue alors que les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO ont entamé aujourd'hui une rencontre à Abuja. Les tensions diplomatiques entre la France et le Niger menacent-elles l'approvisionnement de la France en uranium ? L'uranium, notamment nécessaire pour faire tourner les centrales nucléaires, était l'une des raisons pour lesquelles la France se trouvait au Niger. Orano, entreprise détenue par l'État français, extrayait le métal radioactif au nord-ouest du pays, proche de la frontière algérienne. En 2021, 2248 tonnes d'uranium avaient été extraites du Niger, sixième pays extracteur derrière la Russie, l'Ouzbékistan, l'Australie, le Canada, la Namibie et loin devant tous ces États, le Kazakhstan, où sont extraits près de 10 fois plus de métal. Entre avril 2022 et avril 2023, la France a importé près de 10 000 tonnes d'uranium, dont environ 2/3 sont consommées par les centrales nucléaires, et le tiers restant revendu par Orano à l'étranger. Ces 10 000 tonnes proviennent de 6 pays différents. En tête des fournisseurs de la France, on retrouve le Kazakhstan, puis l'Ouzbékistan, et le Niger, tous trois dans des parts similaires, puis l'Australie, la Namibie et enfin l'Afrique du Sud. Au début des années 2000, EDF avait volontairement diversifié ses fournisseurs dans un souci de sécurité d'approvisionnement, comme le rappelle un porte-parole de l'entreprise au Figaro. Mais avec ses 2126 tonnes fournies à la France, soit 18% et près d'un cinquième de l'uranium importé, le Niger rend-il la France dépendante ? Concrètement, non. Et pour plusieurs raisons. Si le Niger venait à interrompre les exportations d'uranium, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, la France pourrait se tourner vers d'autres partenaires, soit en modifiant ses contrats à long terme, soit en recourant aux marchés internationaux, comme l'explique au Figaro Anna Créti, professeur d'économie à Paris Dauphine. De plus, l'uranium n'est pas une ressource rare. Beaucoup de territoires disposent de grandes quantités du métal. Enfin, au titre des stocks stratégiques prévus par l'État, EDF dispose d'au moins 2 ans de réserve d'uranium naturel. À cela s'ajoutent les stocks d'uranium appauvri que la France sait enrichir. Au total, la France dispose d'un stock d'uranium lui permettant de couvrir ses besoins pendant une décennie. C'est vrai qu'auparavant, la CEDEAO a violemment condamné le coup d'État, a exclu le Niger de ses instances, a bloqué toutes les aides économiques et suspendu le pays également. Mais surtout, la CEDEAO a menacé d'intervenir militairement pour rétablir l'ordre. Là, la CEDEAO a été confrontée à une sorte de front de refus au sein même de ses instances, symbolisé par le communiqué commun entre le Mali et le Burkina Faso, auquel s'est joint la Guinée-Conakry, pour estimer que toute agression contre le Niger est considérée comme une agression contre ces trois pays. On voit que la CEDEAO est en train de se fissurer littéralement à cause d'une prise de position radicale. C'est vrai que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est un sous-groupe régional de l'Union africaine, mais est-ce qu'elle a le droit d'intervenir directement sans qu'il y ait un mandat du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à Addis Abeba, et encore plus un mandat des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour pouvoir intervenir. Au cœur des tensions entre Israël et le Hezbollah, Yitzhak Herzog s'est déplacé ce mercredi à la frontière nord. Le président israélien a exprimé sa sympathie pour les citoyens libanais. Je regarde de l'autre côté de la frontière. Le Liban est en ruine. Il s'effondre. C'est une tragédie. Nous tendons la main au peuple libanais. Ils ne méritent pas cela. Ils ne méritent pas l'Iran qui tue et détruit leur pays. Ils ne méritent certainement pas l'implication de Hezbollah qui met à mal leur stabilité et leur bien-être. Il a averti le groupe terroriste chiite de ne pas mettre à l'épreuve la détermination d'Israël. Plus important encore, je veux dire à nos ennemis, en particulier au Hezbollah de l'autre côté de la frontière, ne vous y trompez pas, l'armée israélienne est forte, elle est unie, elle est capable, elle protégera et défendra notre souveraineté et la sécurité et le bien-être du peuple d'Israël. C'est notre priorité absolue. Quelques heures plus tard, Herzi Halevi s'est également rendu sur le front nord. Preuve des troubles en cours dans cette région, le chef d'état-major de Tsahal portait un gilet pare-balles. Herzi Halevi
a visité la nouvelle barrière de sécurité qu'Israël est en train de construire le long de la frontière. Les responsables du commandement nord ont présenté au chef d'état-major les plans de défense de la zone et de renforcement de la sécurité des habitants du nord. Le chef d'état-major a également procédé à une évaluation de la situation en cours. Les commandants ont passé en revue les événements récents et ont présenté une variété de mesures utilisées par la division pour perturber et contrecarrer les violations de la souveraineté d'Israël dans la zone frontalière. Ces dernières semaines, des activités du Hezbollah ont été repérées à plusieurs reprises le long de la frontière. Des incidents qu'Israël a qualifiés de provocations délibérées, notamment l'installation de deux tentes au-delà de la ligne bleue reconnue par l'ONU. Le oui des États-Unis était nécessaire et obligatoire à Israël pour finaliser cette vente. Et c'est désormais chose faite, Washington l'approuve et donne ainsi son accord à la transaction entre Jérusalem et Helsinki. Résultat, la Finlande se dote de la Fronde de David, le système israélien de défense aérienne et antimissile, capable d'intercepter des fusées et des missiles à une distance de 40 à 300 km. Un accord que Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, qualifie d'historique. L'approbation accordée par le gouvernement américain pour la vente de la Fronde de David marque une étape importante vers la réalisation d'un accord historique entre Israël et la Finlande. Grâce à des technologies révolutionnaires développées par les plus brillants esprits de l'industrie de la défense, nous sommes en mesure de consolider nos liens avec les pays du monde entier, de renforcer notre sécurité et d'améliorer la position d'Israël sur la scène internationale. Montant total de cette vente, 316 millions d'euros. Dans le cadre de l'accord, Israël vendra à la Finlande le système qui comprend des intercepteurs coproduits avec le géant israélien Rafael et les États-Unis, ainsi que des lanceurs de missiles et des systèmes radar made in Israël. La version finlandaise du système sera développée conjointement par des industries israéliennes et américaines, en partenariat avec des industries finlandaises. Le système israélien sera ensuite intégré dans les systèmes de commandement et de contrôle de la Finlande. Le système avancé Fronde de David a suscité un grand intérêt dans le monde en raison de ses capacités uniques et avancées, et nous sommes très fiers de son développement. Après être déjà devenu opérationnel en Israël, le système améliorera considérablement la défense aérienne de la Finlande et nous prévoyons d'autres accords à l'avenir. Le système israélien de la défense promet prochainement l'organisation d'une cérémonie de signature avec le producteur Rafael. Prochaine vente en date, le Aero 3. Le système israélien de défense aérienne et antimissile devrait être vendu ces prochains mois à l'Allemagne pour un montant de 4 milliards d'euros. Mais là aussi, l'approbation des États-Unis est nécessaire pour signer officiellement cette vente entre Berlin et Jérusalem. Ce soir, je veux vous parler d'un nouveau péril pour nos libertés, c'est le futur traité international sur les pandémies négocié entre l'Organisation mondiale de la santé et les différents États du monde. Ce traité va restreindre le pouvoir des nations et organiser la mainmise de l'OMS sur nos politiques de santé. C'est extrêmement grave pour nos libertés individuelles, parce qu'on a vu à quel point l'OMS avait, pendant la crise Covid, marché main dans la main avec les États les plus répressifs et avec les laboratoires pharmaceutiques les plus dangereux. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un nouveau traité qui devrait être signé en mai 2024, donc c'est demain, et qui s'accompagnerait bien évidemment d'un passeport vaccinal pour pouvoir voyager dans le monde entier. Et donc une restriction sans précédent de nos libertés. Mais il y a des articles très graves dans ce traité, je m'appuie sur des réalités. Il y a d'abord l'article 15 qui prévoit que le directeur général de l'OMS pourrait dorénavant déclarer les pandémies. Avant, c'était un organisme. Et vous vous souvenez que pour l'affaire du Covid, la Chine avait bloqué pendant un moment, c'était une négociation entre les États. Là, ça serait le directeur général qui déclarerait une pandémie. Une fois qu'il a déclaré la pandémie, cela donnerait des pouvoirs extravagants à un nouvel organisme prévu par l'article 20, la conférence des parties. Et cette conférence des parties serait non pas un organe de recommandation, les termes ont un sens, mais il est marqué un pouvoir de décision. Ça veut dire que cet organe des parties, cette conférence des parties, par exemple, déciderait qu'il faut bloquer les frontières, qu'il faut mettre un pass vaccinal, qu'il faut imposer une vaccination obligatoire, etc., etc. Et c'est là qu'intervient le piège. Le piège, c'est que l'article 22... permet d'examiner par ce traité, l'OMS, les cas de non-respect des États.
et que les États ne pourront pas, je cite, « nuire à leur population ni aux autres États ». Et donc vous voyez qu'il y a une inversion de la charge de la preuve. Ce n'est plus les États qui sont maîtres dans leur politique de santé, c'est l'OMS qui vous met sous condition. Alors pourquoi c'est grave? Parce que l'OMS n'est pas financée par des gouvernements, par des États. Il n'y a que 20% des crédits de l'Organisation mondiale de la santé qui sont versés par les États. Le reste de l'OMS est versé par qui? Par des intérêts privés, soit des fondations, soit de l'industrie pharmaceutique. Ça veut dire par exemple que la fondation Gates, Melinda et Bill Gates, finance l'OMS et donc est à fond pour une vaccination accélérée des populations. C'est la fondation Bloomberg, c'est aussi des industries. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez le piège se refermer. Ceux qui financent en plus ont le droit de demander que ces financements soient fléchés. Fléchés, ça veut dire quoi? Je finance l'OMS, mais je veux qu'on vaccine telle population, de tel vaccin, contre telle maladie. Vous avez vu que tout est bouclé. On peut très bien imaginer des grandes entreprises pharmaceutiques qui veulent écouler, comme ça s'est passé au niveau de l'Union européenne, 4,6 milliards de doses pour 71 milliards d'euros décidés par Mme von der Leyen avec des SMS, dont 2,4 milliards d'euros pour une seule entreprise, Pfizer. Et donc vous imaginez que le pouvoir de décision n'appartient plus à la démocratie, au peuple, mais à un organisme supranational dirigé par des entreprises et des fondations. C'est une remise en cause totale de la souveraineté des nations, de la liberté individuelle, et c'est peut-être une catastrophe sanitaire. Voilà pourquoi, à la lumière de ce qu'on a vécu au moment de la crise du Covid, il est vital de se mobiliser contre ce traité. C'est un nouvel espoir pour des millions de patients atteints de cancer. Les scientifiques sont en passe de réussir à contourner la résistance au traitement de la maladie. Et c'est le principal frein à la guérison dû à la mutation des cellules qui deviennent plus armées contre les chimiothérapies. Une équipe de chercheurs du CNRS a réussi à bloquer ce phénomène de résistance. Les résultats viennent d'être publiés. Yasmina Katou, expliquez-nous comment cela fonctionne. Eh bien, au fil des chimiothérapies et des immunothérapies, les cellules cancéreuses changent de forme, se cachent même pour éviter le traitement. Mais grâce à l'anticorps fabriqué en laboratoire, la protéine qui permet cette mutation des cellules est bloquée. Résultat, toutes les tumeurs sont atteintes par les traitements anticancéreux. Patrick Mélène, directeur du Centre de cancérologie de Lyon, fait partie des scientifiques à l'origine de cette découverte. Il détaille les résultats prometteurs. Ce qu'on a observé, c'est que chez l'homme, donc c'est juste à la phase 1 pour l'instant, on a une réponse en monothérapie, donc seul l'anticorps a l'air de donner des bénéfices, donc effectivement on a des patients qui on voit leur tumeur qui réduit de façon importante et on a stabilisé une partie importante des patients, c'est-à-dire que leur maladie a pu progresser. Les tests sur les humains continuent pour savoir si l'anticorps combiné à une chimiothérapie permet d'améliorer les résultats des traitements. En tout cas, sur les souris, c'est certain, l'étude le prouve, les thérapies ont plus de chances d'anéantir le cancer grâce à l'anticorps.